Oui. Bonsoir. Moi c'est Auguste, et toi? Indira. Ouh là là, Indira, enchanté Indira. Oh, tu es pour ou contre les rapports entre amis? Jamais. Ok. C'est un ami, tu es un ami, c'est un ami. Ça s'arrête là-bas, l'amitié s'arrête là-bas. C'est l'ami parfois, tu vois. Entre les deux amis, il peut y avoir l'attraction entre les deux. Tu as un petit ami, non? Je suis célibataire. Tu es célibataire? Aimer amitié, mais pas au-delà de l'amitié. Aïe. Mais l'amitié, elle peut se transformer en quelque chose. Non, ça ne peut pas. Ça va pour moi, il disparaît de la ville. Continue. Moi c'est Auguste de Rabogène, et toi? Karel. Moi c'est Jovi. Moi c'est Noël. Moi c'est Noël. Jamaz, Jamaz. Jamaz et Taylor. Pardon? Taylor, Taylor. Enchanté Taylor. Nous cette heure et moi aimerons savoir si tu es pour ou contre les rapports sexuels entre amis. Pas, t'as pas. Que penses-tu des relations sexuelles entre amis? Pour ou contre ça? En fait, je ne suis pas contre ça. Tu sais, la rue parfois, tu vois. Entre les deux amis, il peut y avoir l'attraction entre les deux. Toi, les relations sexuelles entre amis, c'est normal. Parfois, c'est normal, puisqu'il y a parfois l'attraction et que tu ne t'attendais pas. Et quand ça arrive, tu es obligé de céder. Mais ce n'est pas bizarre un peu, selon toi. Si tu as un petit ami, que tu fais encore les rapports sexuels avec ton ami, ça ne te paraît pas un peu bizarre? Tu l'as trompé? Bien sûr, c'est bizarre, mais là je parlais d'un contexte où tu n'as pas de petite amie. Mais ça peut se transformer en autre chose après. Oui, c'est vrai, mais c'est à toi de te contrôler. Je te remercie, Noël. Merci. Compte. Pourquoi tu es contre les rapports entre nous? C'est mon ami. Tu vas frapper ton téléphone. Jamais. Ok. C'est un ami, tu deviens un ami, c'est un ami. Ça s'arrête là-bas, l'amitié s'arrête là-bas. Mais l'amitié, elle peut se transformer en quelque chose. Jamais. Un ami, hein. Je comprends, elle dit jamais. 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 Bon, pour toi, quelle est la différence entre ami et petit ami? Mon ami, c'est mon ami, non? Oui, et ton petit ami, c'est ton petit ami aussi, c'est non? Mon petit ami, non? Dans petit ami, il y a ami, non? Bon, oui, mais c'est voilà. Différent, c'est différent. C'est différent, comment explique aux internautes, on veut comprendre. Non, c'est différent. Mon ami, c'est mon ami. Je veux pas aller loin. En fait, c'est intéressant, c'est ceci. L'amitié entre garçons et filles peut se transformer en autre chose. Il peut t'aimer. Il a pourtant été connecté, il s'est rendu compte que vraiment tu es intéressante. Ça peut se transformer. Comme toi aussi, tu peux flasher, on ne sait jamais. On ne dit jamais, jamais. Bon, c'est possible, mais moi, il ne peut pas fonctionner, mon ami. Ça ne peut jamais arriver. Jamais. Même si tu le maîtrises et bien, tu ne peux pas te chercher. Non, c'est pour, c'est pour. Tu es pour le contre rapport sexuel entre amis? C'est pour. Tu es un petit ami, non? Je suis célibataire. Tu es célibataire? Oui. Donc tout le monde est célibataire. Tous ceux qui disent qu'ils sont pour sont célibataires. N'est-ce pas? Pourquoi tu es pour alors? C'est pour parce que même ta copine d'abord, elle, vous pouvez vous séparer, elle, vous soyez amis. Mais un jour, en tant que d'elle, elle peut glisser, vous retirez le même lit. Donc là, c'est pour. Oui. Parce que l'amitié peut se transformer en amour. Alors que quand vous êtes séparés, vous pouvez. T'as dû une fois que tu sais que non, on peut faire tout ensemble. En tout cas, je te retrouve dans les situations. Si quelqu'un n'est pas. Ça va te déprimer. Voilà. Ça dépend des cas, ça dépend des cas. Wow. Ça dépend des cas. Mais pour qu'elle te dépend, il faut demander si tu trouves un bon modèle. Hein. Et tu crées un bon motif. Là, elle peut te choquer. Là, elle peut te gérer. Ok, je te remercie, thérapie. Ok, d'accord. Rapport entre amis, comment? Rapport sexuel? Oui! Hey! Non, c'est pas fou. Pourquoi tu es contre? Regarde avec qui vous faites tous les secrets. Qui a tous les secrets là? Hey! Des conseils. Non! Si un jour comme si la vie vous dit que c'est chaud, c'est chaud. Je suis pas d'état. Pourquoi tu es contre alors? Mais parce que c'est interdit entre amis et qui? Ça se passe. Mais on peut dire, on dit souvent que l'amitié entre garçons et filles, quelque chose peut venir. C'est ami. Parce que j'ai en intérêt certaines personnes. Donc ils disent que non, l'amitié entre garçons et filles n'existe pas parce qu'il y a une personne qui va vouloir aller plus loin. Non, non,
Tu ne peux pas aimer ton ami. Donc tu es pour les rapports entre amis. Pourquoi? Si tu es un petit ami et tu fais encore avec ton ami, ce n'est plus ça. C'est pas les mêmes, c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. Tu fais les rapports avec ton ami, c'est pas la même chose comment. Tu as une petite amie, tu fais les rapports avec ton ami, c'est différent. C'est ton ami, non, c'est seulement pour quelques temps, non. mais tu es en train de compter ta petite amie, non. Tu es en train de la compter avec ton ami, avec ta pote. Oui. C'est pour ça que c'est ma pote, non, c'est un ami avec la pote. On est pas même, donc peut-être les rapports, l'amitié entre garçons filles n'existe pas. Oui, non. On va pas joli. Là, 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 regarde la caméra, tu sais que l'amitié entre garçons filles n'existe pas. Ça n'existe pas. Là. Ok, je te remercie, Loïc. D'accord. Aimer amitié, mais pas au-delà de l'amitié. Aïe. Mais l'amitié, elle peut se transformer en quelque chose. Non, ça ne peut pas. Ça pour moi, il disparaît de la ville. Je quitte. Tu n'as même vu des choses comme ça. Tu sais pas que c'est le meilleur système alors. Tu as une personne, tu le connais il bien, parce que tu le connais il bien, que si t'es grave, c'est faire quelque chose. Si c'était comme ça, c'est qu'il y a une bénévole directement, on peut sortir ensemble, mais pas être ami. Hey. Mais justement, avec le temps, il a appris à te connaître, il a appris à connaître tes caractères, il a appris à connaître tes défauts. Oh. C'est pour ça qu'il fait, il veut sortir avec toi. C'est mort, yo. Aussi. Donc toi, ami, c'est ami. C'est ami. Donc tu peux faire le gars qui vient, qui se sort de nulle part, il t'est grave, tu peux faire. C'est même mieux. Si tu ne le connais pas bien, tu peux faire. C'est mieux. C'est mieux. Aïe! Donc c'est quel catégorique? Je suis catégorique. Ok, je te remercie. Parce que vous avez souvent les conversations un peu bizarres. Oui, oui. Il parle de mes projets avec mon mec, mon frère. Un bon matin, il vient me dire aïe! Hey. Je te remercie. Sur... Pour. Pourquoi tu es pour? Tout le monde est pour. Pourquoi tu es pour? Mais c'est normal. Au début, tu vas être amené avec une fille. À la longue maintenant, tu rencontres que tu as les sentiments, bon, tu vas comment? Tu es bien sorti avec elle. C'est pas ça qui fait là-bas. Elle-même aussi, elle ne savait pas que non, depuis le début, elle est là dans par rapport. Et après maintenant, vous rendez compte que vous aimez. Vous n'avez pas le choix de. Ce qui arrive, arrive. C'est que c'est un petit petite amie alors. Ce n'est plus ton ami en fait. Non, oui, c'est pas mon ami. Au moment où ça change, non. Moi, j'avais plus mon ami, j'avais maintenant ma petite amie. C'est-à-dire qu'au fond, tu les mets, au fond, tu les mets. Non, ils ont dit qu'au début, vous pouvez être amis. Tu te rends pas compte que tu as bien aimé. Mais au fur et à mesure, le temps, tu te rends compte que tu as des sentiments pour elle. Ta pote. Oui, ça peut arriver, là. Que tu as une fille, tu vois un autre gars l'aborder en route, toi, ça t'énerve, ça t'énerve ou quoi, ça porte. Ça veut dire qu'au fond, toi, tu les mets. Mais si tu n'as pas vraiment le courage de l'avouer, ça. Ça veut dire que tu es là, ça veut dire que pour toi, l'amitié entre garçons, filles, ça n'existe pas. Non, ça existe, ça dépend des cas maintenant. Hein? Ça dépend des relations maintenant que le garçon avec la fille, ça dépend. Mais l'amitié homme et femme, ça peut exister. Oui, ça existe. Et c'était des cas exceptionnels alors. Oui, ça existe. Ok, je te remercie. Dès que tu fais qu'un gars sort de nulle part, il va être grave en haut comme ça là, ou dans les réseaux sociaux, tu dis oui, tu peux faire sortir avec tout ça. Oui, c'est ça. Donc, grave de un rapport en capacité amie, impossible. HS 0 sur 20. 0-0. Je te remercie, Karel. Ouais, c'est pour. Pourquoi tu es pour? Comme tout le monde dit pour. Pourquoi c'est pour? Mais parce que, quand beaucoup de choses, en fait, beaucoup de choses. Les gars, je dis, bon, c'est un peu pervers, les garçons sont aussi pervers. Bon, c'est un peu comme ça que la jeunesse est, c'est pour ça que je suis pour, gars. Mais tu as une petite amie? Non, je suis célibataire. Donc, tout le monde qui dit pour, c'est vraiment célibataire, c'est ça, non? Oui, nous sommes célibataires. Bon, tu as une pote, non? Oui, j'ai une pote. J'ai plusieurs potes même. Tu as plusieurs potes. Oui. C'est-à-dire que tous tes potes là seulement c'est les rapports, c'est ça là hein? Hey. C'est un dème, non, gars, oui, il va appliquer, mais que si de bon du coach, du sens, c'est que, en fait, c'est un homme, non, gars, il ne peut pas un dème devant être pour un peu, non, c'est un homme, c'est un sens. C'est-à-dire que ce n'est pas ta pote alors? Non, c'est ma pote, non, mais il y a les potes de potes. C'est un dème, gars, il veut appliquer, c'est vraiment bon, c'est ça la bonne langue, gars. Voilà. Mais si tu dis que c'est ta pote, et tu peux encore vers elle, ce n'est plus ça. Mais elle peut me plaire aussi, non? Tu crois qu'elle essaie de me plaire aussi? Elle peut me plaire aussi, gars. Bon, okay. Ça veut dire que pour toi, l'amitié entre garçon et fille n'existe pas. Non, il n'y a pas l'amitié, il n'y a pas l'amitié. L'amitié garçon et fille n'existe non, pas. Non, donc, comme toi, tu as 100 amis. Oui. Il n'y a pas l'amitié entre les garçons et filles. Moi, j'accepte pas ça. Mais c'est quoi, gars? Il n'y a pas l'amitié. Donc, tu ne peux pas être ami avec non, non, jamais. Oulala. Waouh. Ok. Je te remercie. Okay.
Non, c'est pour. Tu es pour la relation sexuelle entre amis. Ouais, ouais. Pourquoi? Il a dit que c'est à dire, mais tu frappes quand même. Non, oui, non. Attendez, me couper. Pourquoi? On a fait d'enregistrer. Quoi tu préfères? Ah, mais peut-être c'est plus facile de coucher avec son ami que sa copine, même. Oui, non. Ça va être ta copine, pourquoi tu ne peux pas coucher avec? C'est pas ta copine. Ça fait quoi? Est-ce qu'un homme et une femme n'ont pas le droit d'être amis d'abord à la base? Pourquoi ça? Ah, pourquoi ça, comment? Mais tu peux être ami avec une fille? Non, il ne peut pas être ami avec une fille. Moi, il ne peut pas être d'abord ami avec une fille, il j'aime même d'abord. Et il ne peut pas d'abord dormir sur le même avec une fille, c'est mon ami. Sans rien faire. Dans la définitive, tu es pour ou contre les relations sexuelles? Non, je suis pour, non, je suis pour. Oui. Ok, je te remercie. LPBDO, la voix des sans-voix, l'éclaireur de conscience africaine.